On vous parlait la semaine dernière d'un homme arrêté à Saguenay pour des gestes très particuliers qui auraient été commis sur des vaches laitières. Catherine, l'individu en question n'a toujours pas comparu, mais vous en avez appris un peu plus sur l'affaire. Ouais, il a été arrêté sur son lieu de travail jeudi dernier. Son employeur confirme que plusieurs policiers ont été dépêchés sur les lieux pour procéder à son arrestation. L'individu ne travaille plus à cet endroit, mais là-bas, Sonia, c'est l'onde de choc. Personne ne s'attendait à ce que cet employé commette de tels gestes. Plusieurs membres du personnel sont secoués par les événements. Ils peuvent compter sur le support de leur employeur. Selon nos sources, il y a quelques mois, un employé d'une ferme avait remarqué des anomalies suspectes sur certaines vaches. Des caméras avaient donc été installées pour voir si quelqu'un s'introduisait dans l'étable. Eh bien, les images qui ont été captées ont permis de confirmer les actes qui auraient été commis sur les bêtes. Les caméras seraient d'ailleurs toujours en opération pour surveiller les lieux. Et toujours selon nos informations, bien, l'arrestation effectuée par la police serait source de soulagement pour le producteur où les faits se seraient déroulés. Et est-ce que des accusations seront portées contre l'individu? Bien, une enquête est en cours, Sonia. Les policiers travaillent actuellement sur le dossier en vue de le présenter à un procureur. Aucune autre information ne pourrait être dévoilée pour l'instant afin de protéger la famille et les proches de l'homme en question, confirme le corps policier. Mais la police est en mesure de confirmer que l'individu a bel et bien été arrêté puis libéré sous promesse de comparaître en justice d'ici environ 3 mois. Merci beaucoup, Catherine.